monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Shein. On espère que vous allez bien. Nous ça va bien, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, mais préparation de vacances oblige. D'ailleurs, quand vous regarderez ce vlog, vous pouvez aller sur Instagram parce qu'on sera certainement déjà sur notre première semaine de vacances et on va partager ça en story plutôt que de faire un vlog parce que on n'a pas envie de s'encombrer avec trop de caméras, etc. Voilà, en gros, on n'a pas envie d'être contraint de filmer pour des vlogs et pas profiter des moments présents. Donc durant cette semaine, on s'est dit bon, on partagera des petites choses quand même sur Instagram, mais au moins c'est instantané, il n'y a pas à monter le vlog après, enfin voilà. Donc je mets ça en partie plus d'informations et let's go pour un haul Shein. Là on a eu pas mal de choses, je sais plus combien de pièces, 15 pièces ouais 15. Il y a 15 pièces, je suis un petit peu dégoûtée. Vous avez un code promo, toujours je suis en collaboration, je le précise, avec Shein, comme tous les mois. J'ai un petit code promo, vous pouvez en bénéficier, il est en partie plus d'informations. Et donc j'ai sélectionné 15 articles. Sur ces 15 articles, il y a des déceptions, mais pas dues tant au produit, mais à la taille que j'ai un petit peu sous-estimé. Voilà. Je disais que j'étais entre le S et le M, je suis dans le M, sauf que j'ai pris du S. Donc autant vous dire qu'il y a des choses, je ne vais même pas pouvoir les essayer, parce que mon postérieur ne rentre pas dedans. Voilà, ça s'arrête aux hanches et je ne peux pas monter plus haut. Donc vous ne verrez rien. Mais bon, c'est pas grave. Les vêtements ne sont pas perdus. Il y a mes soeurs, dont une qui taille en S. Donc je pense que ça ira pour elle. Et ben c'est parti. On y va. Ah, c'est moi qui pioche ? Alors. Ah ! Alors, mitigé. En plus, je suis assez dégoûtée parce que, en fait, quand on fait des collabs comme ça avec Shein, on fait pas notre panier et puis on leur envoie, c'est on leur donne toute une liste de produits qu'on veut. Et le problème, c'est que le temps qu'ils reçoivent la chose, des fois ils nous renvoient des mails en disant bah ça c'est en rupture. En fait, on le voit pas directement comme quand on met dans le panier. Du coup, j'ai rechoisi des choses qui étaient encore ruptées. Donc j'ai rechoisi des choses pour remplacer les choses qui étaient déjà ruptées. Et au final, ils m'ont envoyé les produits ruptés de la première fois plus les nouvelles choses. Donc en fait, c'est très ressemblant et je suis dégoûtée. Du coup, vous allez comprendre après. Donc j'ai pris ce t-shirt. Alors j'ai pris pas mal de hauts, de t-shirts, je veux dire, tout basique, mais avec un petit truc en plus. Pour la semaine au boulot parce que j'aime bien être assez confort et j'en avais pour dire pas plus, donc je me suis dit bon bah c'est le moment de tester les t-shirts chez Shein. Donc j'ai pris celui-ci avec une cassette, une petite cassette comme à l'époque qui sont bobines là, marqué vintage 1981. Bon, je suis pas de 81, je suis de 83, mais l'idée était là. Édition limitée, donc il est en coton, celui-ci il est super confortable à porter. 65% de coton et 35% de polyester. Donc le t-shirt en lui-même est assez extensible, mais on sent quand même que c'est du coton un peu. Donc il est très très bien. Par contre, le seul bémol, c'est cette cassette. Écoutez, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un gros bout de plastique au milieu de la poitrine. C'est hyper rigide et c'est pas très très. Ça crasse. Donc disons que voilà, je suis un peu déçue. C'est un vieux flex qu'ils ont mis dessus. Alors que s'ils avaient fait un autre marquage, je pense que ça aurait été beaucoup mieux, d'autant plus que là, toi, tout ce qui est noir, ils auraient pu ajourer pour essayer qu'il y ait moins de matière, mais bon, bref. Il fait l'affaire pour l'été, mais c'est pas mon favori à cause de... Pas à cause du logo, j'aime beaucoup le style, mais c'est très brillant et très plastique. Voilà, donc bon, je sais pas trop. Voilà, je vous montre bien sûr porter juste en même temps les vêtements quand ils sont portables, bien sûr, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. À toi. Alors, j'ai pris des serre-têtes parce que j'en ai pas et que je voulais. Ah ouais, c'est un lot. Très bien sûr. Il y en a 6. Il y en a 2 comme ça, c'est les mêmes, en noir et en beige. Ah, c'est épais là. J'en ai 2 comme ça. Un fleuri. Oh, rien du tout fine. On voit qu'une tête, un fleuri et puis un peu écossais, un peu plié. Et un comme ça et un perle. Le perle est trop beau. Ouais. Il va très bien avec le petit collier d'ailleurs chez lui aussi. Voilà. Moi, bah, ce t-shirt, je le porte parce qu'il est très bien. Voilà. Donc celui-ci, je crois qu'il y a du polyester, mais je ne suis pas sûre. Mais écoutez, il est très fin, très, très souple, bleu marine avec un petit cœur brodé et franchement il est nickel. Donc là par contre, les t-shirts en taille S me vont bien.
Il fallait pas que je prenne taille M parce que ça aurait été beaucoup trop long. Et pour le reste, c'est pas la même chose. Donc voilà, un t-shirt tout basique. J'aime beaucoup. Voilà, ça, vous allez voir avec quoi j'avais décidé de le mettre, mais finalement, ça ne peut pas. Ça rentre pas. Donc les maillots de bain, pareil, on les essaye pas, mais je les ai essayés, donc je vais pas vous dire s'ils me vont. Donc on a le haut qui est comme ceci, donc c'est un taille S aussi et il me va. Peut-être en aura des maillots. Ouais, pour le coup là, c'est très très bien. Donc à la base, c'est celui-ci que j'avais choisi et il m'a dit il est rupeté. Donc il y a deux coques dedans qui ne s'enlèvent pas. La forme est déjà coquée. Et rembourré, donc parfait pour les petits tétés, voilà. Donc celui-là est bien, et la culotte j'aime beaucoup aussi, c'est une culotte taille haute, voilà. Elle est taille haute comme ça, et là vous avez un petit nœud, et ça c'est un taille S. Et j'avais noté dit le bâton, il va être compliqué à enfiler, pas du tout, nickel. Donc comme quoi, hein, c'est très, voilà, ça dépend de la coupe, ça dépend de la matière. Donc ça me va parfaitement, et je suis d'ailleurs contente finalement de l'avoir eu, parce que c'est le premier choix que j'avais de ma UBA. Moi, celui-là. Ah bah. Ah non. Alors là. Ça, c'est un autre t-shirt. Mais du coup, c'était le second choix du premier qui, de base, était adopté. Et il est comme ça. Alors, j'aime beaucoup moins parce que d'aspect, il est pas noir-noir. Ça, hein. Bah, si. Bah, il est pas noir comme l'autre, hein. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Ah non. C'est un noir. Là, ça fait genre un noir délavé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça va bien avec le style un peu vintage. Alors, j'aime beaucoup. Je préfère le dessin de l'autre, mais je préfère le marquage de celui-ci, qui est beaucoup, beaucoup moins. C'est un peu plastifié quand même, mais beaucoup moins. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez là, c'est ajouré. Entre le noir, c'est le noir du t-shirt. Par contre, celui-ci, c'est un 100% polyester. Et ça, quand il fait chaud, bah, c'est compliqué. Ça colle et tout ça, et ça se voit dans la matière. Ouais, voilà, ça fait très, je sais pas. Donc c'est bien à mettre, je dirais, printemps-automne. Mais là, en été, c'est mort. Vous mettez ça, vous coulez quoi en 2 minutes. Après, voilà, il est joli quand même. Ouais. Et là, c'est marqué années 90. Bon, c'est très, voilà. Donc vous en avez pas mal comme ça sur Shein. Maintenant, j'aurais bien aimé moi l'autre, mais avec ce type de marquage là. Parce que l'autre, le gros placard là, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas. Je le mettrai, mais. Donc là, c'est un taille S aussi. Et une nouvelle. Ah, c'est les shorts. Oui. Ça, c'est très bien, par contre. Bon, c'est même plus. Un lot, on a pris un lot de 4 cyclistes qui me vont et qui vont à Cassis. Bon, ils sont un chou. Non, ils sont ils étaient ils sont un peu grands quand même. Ouais. Voilà. Mais beaucoup grands, pas beaucoup, beaucoup, mais quand même. Ouais, bah sinon, je les garde et je te reprendrai les autres en XS. Donc moi j'ai pris S parce que c'est, vous savez, c'est les shorts hyper élastiques. Et ça, pour mettre sous les robes l'été ou sous les jupes, c'est excellent. Un beige. Moi ça c'est indispensable parce que vous savez, je suis une fille mais qui sait pas me tenir comme une fille. Et du coup voilà. Et puis ça m'est déjà arrivé aussi, un coup de vent et fouf, tout s'envole et bon, ça craint un peu. Donc voilà, je me suis dit au moins Donc là j'en ai un couleur chair, j'en ai un noir. blanc. Un noir et un gris. Et ça j'ai pris les premiers prix. Donc c'est une matière assez, assez cycliste, vous voyez les cyclistes pour le sport. Pour le sport, voilà. Legging un peu. Bon, brillant, machin. Mais bon, c'est très très fin. Donc c'est bien aussi parce que ça tient pas trop trop chaud. Et c'est juste, voilà, pour mettre sous les tenues, vous voyez, pas qu'on voit une petite culotte. Voilà, donc ça c'est très très bien, je vous les conseille vraiment. Ah, c'est fini, c'est ça. On passe à l'autre sac. Ah. Déception, enfin pas déception en genre c'est moche, non, au contraire, je le trouve trop canon. Sauf que, ben, comme je vous ai dit, voilà, c'était un pantalon, il est trop beau, j'adore la coupe. Donc là, c'est la couleur, c'est pas beige, c'est pas noir, c'est ils aiment ça kaki. Bon, pour moi, c'est pas du kaki, mais c'est pas un beige et c'est un peu plus foncé qu'un beige. En gros, et je me suis rendu compte que les sourcils, même le beige, ils appellent ça kaki. Ouais, mais là, sur, tu mets filtre pour sur ces pantalons là, il y en avait un encore plus beige qui s'appelle oui, beige. Donc bon, la plupart des beiges, ça va être... J'étais dégoûtée parce qu'il est tellement beau, franchement. Donc je l'ai pris bien sûr en 36 et ouvert à fond, je vous jure, je passe les hanches, hein. Je les passe.
Mais oui, alors, avec une telle difficulté, je me dis, si je mets ça en journée, passé midi, je ferme plus le bouton, moi. C'est pas possible. C'est déjà que c'est serré alors que je suis à jeun. Donc, bah, tant pis, je vais pas l'abîmer. Donc, deux solutions. Soit je le garde et j'attends que l'été passe pour me remettre au sport, pour avoir un petit peu plus pas, juste pour pouvoir les enfiler, parce qu'ils manquent pas grand-chose. Hein. Ou je vois avec ma soeur va venir bientôt, et si vraiment il lui plaît, je lui filerai. Ça sera beaucoup plus simple, parce que moi, le temps que je fonde, alors vous allez me dire, mais Manon, non, j'ai pas dit que j'étais grosse. C'est juste que j'aimerais couler dans mon 36 et pas être à cheval entre le 36 et le 38. Et à, voilà, c'est soit je passe dans le 36 et je m'affine un petit peu, pas beaucoup, hein. Ou soit je mange un peu plus et je passe en 38. Donc voilà, à choisir entre prendre du poids pour rentrer en 38 ou en perdre un tout chouïa pour rester en 36, on va prendre notre santé en main, hein, et on va ramer à partir de septembre. D'accord? C'est tout pour le moment. Ça jupe ça. Il n'y a que des choses à toi là. Bah oui, ça change. Hein. On met que des choses à moi et au final ça ne me va pas. Ouais, alors ça pareil, dégoûté. De toute façon, je n'aime pas. Elle aime pas, moi j'aimais trop bien. Donc, ça c'était pour mettre, c'est une jupe, une longue jupe plissée. Et en gros, j'avais pris pour mettre avec ça. Je trouvais que ça faisait trop canon rentrer. Sauf que ce que j'ai pas vu, mais en même temps j'aurais dû tilter. Bon, bref. J'ai pas vu, c'est que déjà elle est hyper épaisse. Donc, c'est pas une jupe d'été. Clairement, vous mettez ça en automne, au printemps. Mais avec une petite paire de boots, des petites baskets. Mais voilà, vous mettez pas ça l'été, vous aurez trop chaud. Et en fait, elle a pas une taille élastique. Elle a une taille où elle se ferme avec une... voilà. Sauf que bah pareil, moi je suis trop enterrée finalement. Donc je la passe, je ferme la fermeture, mais honnêtement, on dirait que je suis enceinte de 4 mois. Quoi. En plus elle arrive au-dessus du ventre, alors automatiquement moi après manger c'est cuir. Ça fait lait, c'est pas bon. J'ai même pas envie de vous montrer. Sinon ça va vous dégoûter. Alors ça si vous la... elle est très jolie, elle est très bonne qualité. Franchement, hein, la qualité elle est nickel. Par contre, prenez-la en tant que jupe mi-saison, quoi. Mais pas jupe d'été. Vous la mettrez pas, elle est beaucoup trop lourde et beaucoup trop épaisse. Mais écoutez, ma soeur va être encore contente. Voilà. Je m'en achèterai une. Mais en fait, faites attention aux ceintures. En fait, j'ai pas fait attention, mais avec une ceinture élastique, je pense que c'est plus confortable. Je pense. Voilà. À toi. Oh. Ah, ça vient. Oh. Ça, tu m'as oh. Ça. C'est pour Bibi. Attention, c'est mort. Je te la passe pas, t'en as trop. Moi, j'en ai jamais. Pour une fois, j'en ai une qui me convient. Donc, c'est une veste en shine noire. Elle est trop belle. Donc, je vous l'essaye tout. Et si je passe ma veste en shine avec des perles? Non, j'en veux pas. Je veux celle-là. Je m'en fous. Déjà, je vais partir en vacances avec. Pour le soir, quand il fait frisquer. Elle est 5 minutes. Voilà. Elle est trop, trop belle. Regardez-moi ça. Elle est canon. Ah, par contre, elle pique un peu. Elle pique. Oh, je sais pas, la matière elle est pas comme ma veste en jean. Non, ça pique pas, mais c'est un peu plus. C'est moins doux, c'est plus brèche. J'aime pas. Bon, j'ai encore l'impression qu'il manque 10 balles à chaque fois. Mais bon, M, après c'est trop. Non, elle est bien. Elle va bien en plus. Ouais, ouais. Donc ça, je valide. Je valide, c'est une taille S. Par contre, ça, c'est. Moi, les hauts en taille S. Enfin, ça dépend de la façon. Je me dis, moi, je suis gaulée bizarre. Un coup ça passe, un coup ça passe pas, ça va être bien. Bref, ne parlons pas des sujets qui fâchent. En tout cas, ça taille visiblement bien. C'est une taille S, taille 36. Donc voilà, super. On adore, elle est pas trop longue, pas trop courte. C'est pas non plus une crop top. Ça m'arrive. Ah oui, c'est ça. Enfin pour moi. Tu vas l'emmener? Tu l'as prévu d'emmener, non? Bah, de toute façon, j'ai fait ma valise. Ah mince. Pour pas changer les jupes plissées, les jupes à carreaux. Non, elle est pas plissée. Hein. Non, elle est carreaux. C'est une jupe patineuse, ça. Ça s'appelle. Ah ouais? Bah, au début, quand je l'ai vu comme ça, j'étais là, ouais, je sais pas si ça va être beau et tout porté, mais en vrai, ça fait trop beau. Voilà. C'est une jupe qui tourne. Donc, ouais, encore des carreaux écossais, je ne prends que ça. Après, je vais peut-être la mettre là pour partir. Comme ça, voilà. Ah, ça, c'est à toi. Ah oui, encore. Ça, c'est la déception de Cassie. Bah, non, en vrai, c'est pas une déception. Je vais vous expliquer après. Donc, c'est un maillot de bain, deux pièces. Vous avez le haut qui est comme ça, c'est un haut asymétrique, puis rouge pétard, avec la petite bandeau en dessous là. Et puis la culotte. Je lui dis, tu as essayé? Elle me dit oui. C'était une taille quoi? XS, non? Du G, oui, XS. Alors je lui dis, t'as essayé? Elle me dit oui, mais j'ai l'impression que ça. C'est limite là. C'est limite. Genre si je saute, plouf.
Non, peut-être pas, mais enfin, mais je suis pas à l'aise dedans, il cache pas. En fait, quand on a chose. Sur le coup, j'ai pas vu, mais c'est après quand j'ai revu les photos. Regardez où est-ce que ça arrive au niveau du sein de la personne. En fait, ça couvre pas tout son sein. Donc elle n'ayant pas de gros seins, ça arrive juste en dessous, mais juste en dessous. Donc du coup, elle est pas très. Je suis pas à l'aise dedans. Voilà. Donc j'avais pas vu ce détail. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense. Vas-y, tends la bande en dessous. En fait, moi je pensais que la bande c'était en plus, mais en fait, non, comment dire. Ça arrive vraiment à. Pour quelqu'un qui a une poitrine normale, enfin pas trop petite non plus, honnêtement, ça vous cache pas le dessous du sein. Donc, pour l'instant, comment vous dire, à 15 ans, no way. Hein, il va rester dans le placard, le petit mec élite, d'accord. Et puis c'est pas grave. De toute façon, j'en ai commandé d'autres. Bon, je pourrais pas vraiment les porter, puisque. Enfin, on dirait qu'on se tombera pas sur moi à la piscine, mais bon. Ah, c'est à toi. Ça. Ah, oui, ça. Ah, ça c'est moche. Ça c'est lait. Lait. Là on est sur un bleu électrique. On n'est pas du tout sur le même bleu. Et puis attention. J'aime bien ce style. Le bleu est pas sur ce style de vêtement. En fait j'aimais bien moi à la base. Sauf que la matière. Ah, je vais vous montrer de près. Ah, c'est hyper rigide. C'est hyper rêche. Et le pire c'est pas ça. C'est que malgré que le col il est large quand même. Je vous jure, j'ai grave du mal à enfiler mes bras. J'étais coincée comme ça. Alors que c'est du S, hein, ça va. Et ben, le truc étriqué. En gros, faut prendre un taille M, L. Faut que je prenne un taille L pour rentrer dedans. Et une fois dedans, je baille. Pas beau. Franchement, ça, je vous le déconseille. Cette chip, c'est. J'aime pas la matière. C'est du polyester à 100%, mais. Berk. J'aime pas. Berk. Ah, c'est rare quand j'aime pas un truc, mais ça franchement je me dis mais ouais, je dépensais pas vos sous. 100% polyester et le truc en fait, pourtant, et pour un taille S, on est d'accord que c'est quand même beaucoup plus large que les t-shirts que je porte là. Et ben le truc il a tellement pas d'élasticité, c'est que vous coulez même pas les bras. J'ai fait rester coincé dedans, je dis à Cassie, je peux pas le retirer. Y'a pas de fermeture, y'a pas de bouton, il y aurait des boutons derrière encore, tu sais. Mais là y'a pas de bouton, vous l'enfilez nickel mais pour l'enlever. Ah bah j'ai pas rigolé, là je vous l'essaye même pas. Je peux pas le. À moi. Vas-y. Sûr. Ça c'est mon dernier truc à moi. Eh oui. Oui, on avait déjà commandé des baskets comme ça sur Shein. Je sais pas si vous en souvenez, c'était bleu et blanche. Et la matière était quand même à désirer. On sentait que ça n'allait pas durer des années. Et finalement, je crois que tu les as donné à ta copine. Ouais. Ouais. Qui les aime bien, mais c'est vrai qu'elles tiennent encore, mais on sent que la matière, c'est pas très épais. Donc là, elle a retenté l'expérience avec une paire qu'elle a vue. Elle a fait un saut en bas. Elles sont trop. Genre, elles sont comme ça. Voilà. Plateforme et tout. Et là, la qualité, on sent que c'est pas pareil. C'est là, ça va. Là, ça va. C'est. Là, la languette elle est bien. Ouais, parce qu'avant, ouais. Le truc il tombait tout seul. Même la languette là, elle se tient, elle est épaisse. Que l'autre était toute fine, elle était toute déformée. Ouais. Donc, bon, comme quoi, ça dépend. Ça dépend du modèle. Donc, celles-ci elles sont hyper sympas. Elles ont des couleurs assez pop, pastel. Voilà, comme celle-ci voulait du jaune. Elles sont pas livrées dans une boîte, elles sont livrées dans un sachet comme ça. J'aime bien aussi, ça change. Et voilà, donc elle vous les mettra tout à l'heure, vous pourrez voir dans ses pieds. Je vous mettrai la photo ici. Mais elles sont bien. Franchement, même la finition, franchement, pour le prix, une vingtaine d'euros, franchement, ça vaut le coup. La semelle, elle est bien épaisse. Un détail que j'aime bien, c'est ça, là. La couture. Oui, j'aime bien aussi, ouais. J'aime un peu moins l'holographique ici, mais ça va, c'est plus petit. Ouais, c'est très petit. Voilà pour les baskets. Bon, t'as fini. Ah, ça c'est le deuxième maillot de bain que j'ai choisi, mais que finalement j'aurais pu m'abstenir puisque mon premier qui me plaisait était là. Voilà, surtout qu'il est. En plus, j'ai pris dans le même style, j'aurais pu prendre une autre couleur. Mais non, je me suis dit, bon bah, vu que celui-là n'est pas dispo, je vais essayer de trouver quelque chose qui s'y rapproche. Voilà. Donc il me va aussi très bien. Je préfère quand même l'autre, moi. Moi aussi, je préfère. Donc là, on est sur un. Parce que là, il y a trop de nœuds, je trouve, dans voilà, on est sur un haut comme ça. Bon, moi les nœuds, j'en fais un, je le laisse. Parce que sinon, oui, non, mais peu importe, genre dans le dos, après ça fait un nœud là. Oui, c'est vrai. Après là, par contre, vous avez des coques que vous pouvez retirer si vous n'aimez pas. Moi, je vous les laisse. Voilà. Donc voilà, après, c'est pas tout à fait la même forme, mais on restait quand même sur quelque chose de nouveau. Et la culotte, je crois qu'on est sur une culotte de l'autre. Moi aussi, je vais faire l'autre. J'aime bien l'effet montant. Culotte noire, hein, tout ce qui est plus simple. Et taille S, 36, et ça me va. Mais bon, j'aurais su que le premier, finalement, il allait me l'envoyer, et j'aurais pas choisi un deuxième maillot de bain noir.
C'est quoi ça? Ah oui, c'est un bois. Je m'en rappelais plus. J'aime bien. Ah oui, ça j'aime bien aussi. Oui. Ah, je suis contente. Je m'en rappelais plus. Vous voyez, comme quoi, ça fait plus d'une semaine qu'on a reçu le colis, mais comme entre temps, on n'a pas eu le temps. C'est une petite chemise, donc il est un peu froissé, là, je dois bien l'avouer. À petit poids comme ça. Et elle est canon, elle est très 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 agréable à porter. Voilà, franchement ça je vous conseille. Et j'ai pris une taille S et vous voyez là ça me va. Bon, je comprends rien. Ou alors S il faut, mais il faut que j'ai des boutons partout pour... Sauf pour les pantalons. Pantalon S c'est forcément, je crois qu'à mon avis c'est cuit. Bien sûr, donc on vous aura montré à chaque fois les vêtements portés quand c'est possible. Hein, ne me demandez pas, je vais pas vous montrer ma culotte ou un pantalon arrive au niveau des hanches, c'est pas possible. Nous, on est, je suis moyennement contente. Disons que je me dis qu'il y a plein de produits que j'aurais pu ne pas prendre, sachant que finalement j'ai reçu l'original qui de base était sous 0,8. Moi, ça fâche, je suis contente, mais pour une fois, il s'est fait beaucoup de choses. Ah, ça change. Ouais. c'est dommage. Hein. C'est pour une fois. Hein. Donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à profiter du code promo qui se trouve en partie plus d'informations, à nous dire quelle tenue vous avez préférée. Sur ce, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et allez sur Instagram parce que là, on est en vacances. On est en vacances! Bah, donc on ne vlog pas la première semaine parce qu'on part ensemble dans le Finistère Sud. On va aller découvrir les petites criques de Fouenan et tout, par là. Mais on vous montre toutes les belles choses qu'on découvrira sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Par contre, promis, quand on revient, on sera posé à la maison pendant une bonne semaine et demie. Posé, tranquille. Et on vous fera des petits vlogs des familles comme on avait l'habitude. Voilà. Sur ce, on vous envoie plein de bisous et on vous redit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !